Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon Gus et bienvenue sur Football Manager 2016 pour la carrière avec mon équipe le FC Arkham. Toujours en FM16 FIFA World League, bien sûr. Le FC Arkham est leader, 14 matchs, 10 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Différence de but de 23. J'ai 4 points d'avance sur West Ham. En difficulté, il y a Cagliari, Moscou, Toluca et Pachuca. On va faire un petit point un petit peu sur les autres championnats. Les trois grosses ligues, hein, les autres, bah, on s'en fout un peu. Alors que le Bayern a gagné 3-0 face au Barça. D'ailleurs, le Bayern est leader avec le Real Madrid 26 points, Chelsea 3ème 23 points, Arsenal 4ème 21 points. Barcelone, vous le voyez, 7ème seulement. Hein. La Juve 8ème. Paris Saint-Germain 11ème avec 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Mais en grande difficulté, nous avons l'Inter de Milan, les Corinthians et Benfica. En disant une, Grêmio leader, ceux qui m'ont éliminé de la Cup, Leverkusen, Tottenham. Oui, je dis que c'était une division au-dessus, c'était même deux divisions au-dessus de moi au final. En grande difficulté, nous avons l'Olympique Lyonnais avec 18ème, Sao Paulo et la Fiorentina. Et enfin, dans la division 2, Wolfsburg, Kiev, Villarreal. 5 points d'avance hein, d'ailleurs pour Wolfsburg. Assez nettement en tête pour l'instant. L'OM qui sort de la zone rouge, 17ème. Attention, ils ont un match en plus hein, que le 18ème. L'Ajax, Galatasaray et Chivas sont en difficulté. Voilà. Et bien sur ce, écoutez-nous, aujourd'hui nous allons affronter Lille, ensuite Beşiktaş, Cagliari et la Samp. La Sampdoria, la Samp. De Gênes. Et puis on s'arrêtera là, bien sûr, vous le savez maintenant, c'est un mois je joue avec vous, un mois je joue sans vous. Donc on va alterner comme ça. Donc du coup, le mois de janvier, vous ne le verrez pas. Vous verrez le mois de février. Vous ne verrez pas le mois de mars. Vous verrez le mois d'avril, et vous verrez le mois de mai, parce que ce sera la fin du championnat. Voilà. Donc en gros, la saison va se terminer dans... une, deux, trois vidéos. Et voilà, trois vidéos, et on saura si on passe, oui ou non, en division 2. Enfin, en division 3, mais division 2, parce que la première, elle s'appelle... vous êtes au courant maintenant. Allez, c'est parti, c'est le match contre Lille. Sur ce, moi, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite pour le match contre le LOSC. Allez, un duel franco-français. C'est parti, à tout de suite. Lille contre le FC Arkham, c'est maintenant Lille, 15ème au championnat. On voit un petit peu mes résultats, hein. Des bons résultats tout de même. Bon, deux défaites hein, au penalty et là contre West Ham. Allez, passe au match. Non. Ah oui, voilà, merci. C'est mieux. Sélection rapide. Oui. Mandanda. Clichy, Sako, Zuma, Jallet, Kondogbia, Schneiderlin, Ribéry, Valbuena, Nasri, Benzema. C'est parti. J'ai pas fait de promesse. Non, il n'y a pas de promesse à tenir. C'est quoi ça? Disponible pour en prêt, oui. Tant mieux. Les consignes, elles sont bonnes. Structurées, oui, offensives, oui, tout va bien. De toute façon, c'est la truc de base. Hein. Allez, on est parti. Contre Lille. Contre le LOSC. Allez, l'échauffement est terminé. C'est bon, on peut y aller. Le moral des Lillois, il est plutôt bas. Il est correct, il est plutôt bas. Il est bas. Il est très très bas, même pour Marco Bassa. Et nous, on va leur parler à ces petits gars-là. On va leur parler tranquillement, calmement. Nous sommes favoris, non. Je n'ai rien à parler, non. Je n'attends rien d'aucune victoire. Ça motive Gay Clichy. Les autres n'ont absolument rien à foutre, comme d'habitude. J'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Lille FC Arkham. C'est 15ème journée de championnat. Je ne m'abuse. Début de match, c'est calme apparemment. 20ème minute, toujours pas d'action. Pas l'occasion.
Ah, 40e minute de jeu, attention. Les Lillois ont la balle. Non, c'était nous qui avions la balle. Maintenant, c'est les Lillois. Nous sommes en blanc. Et oui. Un peu les couleurs, les anciennes couleurs du maillot extérieur de Milan. Du Milan AC. Allez, Ribéry sur la gauche. Ribéry. Ah, ça passe pas, ça. Mais non, mais non, mais non. Impliquez-vous dans les passes, les gars. Allez. On récupère. Bien joué, ça. Bien joué, Konogbia. J'allais, Valbona. Oh. Il y a peut-être faute là, monsieur l'arbitre là. Oh putain. Ah, défense, on revient là. On revient tout seul. Bah voilà, ouvert le score. 41e du jeu, 1-0. But de Boteach. Boteach, tout simplement. Boteach. Il était tout seul, il a eu la défense. Alors c'est souvent comme ça, les ballons dans FM, j'ai remarqué. Sans sens de bouffal, souvent des balles comme ça là qui traversent toute la surface et puis il y a un mec tout seul là-bas qui arrive et qui marque. Avec un petit peu du pied gauche. Bah oui, maintenant il peut absolument rien faire. 1-0 pour Lille, la 41e minute du jeu. Eh ben les gars, va falloir réagir. Bon, c'est la mi-temps, 1-0 pour Lille. On va être agressif. Hein. Les gars, montrer un peu de volonté, on dirait pas une équipe. Oui, tout à fait. Voilà, c'est à motiver, les gars. Allez! Allez, on va passer en fluide. Pas forcément très fluide pour l'instant, ça sert à rien. Pas ça sert à rien. Pas une seule occasion pour nous, en tout cas, en première mi-temps. Bien sûr, Lillois, attention, Lillois. Allez, on prend la balle, on prend la balle en contre maintenant. Allez, avec Valbona. Qui va lancer Benzema. Benzema faudrait qu'il repique. Oh, le dribble magnifique. Benzema, Benzema. Ouh là là. Oh, c'est d'accord. Bon. Dommage, hein, c'était beau hein, ce qu'il avait fait, mais la finition est totalement dégueulasse. Dommage. 52e minute du jeu. Touche. Clichy qui l'envoie à Zuma. Zuma qui l'envoie à Konogbia. Konogbia, Schneiderlin. Général à gauche pour Ribéry, Ribéry pour Benzema, mais. S'il l'a, avec la puissance, Benzema est tout seul. Il tire. Ah ouais, il était tout seul là. Faut l'aider les gars là. Le centre de Benzema. Valbuena est trop petit pour la prendre. Non, je rigole. Konogbia. Allez, qui résiste avec la puissance. Ribéry. Putain, mais il y a faute là encore, bordel. Zuma. C'est tout. D'accord, c'était ça l'action. D'accord. Alors attendez. Sais pas comment on fait pour modifier la tactique. Parce que là on peut faire les repas. Ah bah si, je crois que c'est là. Non. Tout cas c'est les remplacements, mais il n'y a pas l'onglet technique tactique. Où on peut. Je sais pas. Je sais jamais où on change ça. Vous me le direz en commentaire. Je vous fais confiance. Nasri, on ne l'a pas beaucoup vu, donc je vais le remplacer par Coman. L'onglet tactique, ouais, je sais pas. On va mettre pause quand même. Du coup, là, on va passer avec deux attaquants. Hop. Valbuena va sortir. Et on va le remplacer par la casette. Une causerie spéciale, oui, en étant calme, hein, car je suis calme, je compte sur vous pour faire la différence, tout à fait. Allez! Changement tactique là, oui, mais là. C'est Lille quoi! J'ai rien contre Lille, hein, mais c'est Lille. Son 15e en championnat, c'est bon, allez! Bientôt plus que 20 minutes à jouer. Les 20 dernières minutes du jeu. Voilà, ça défile vite, ça défile vite, ça défile vite. On ne fait rien là, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? Schneiderlin va sortir. On va faire rentrer. Giroud. Et en tactique, on va encore. Là, on va. Voilà.
Là, on va y aller à fond, on n'a pas le choix là. On peut pas jouer avec 3 attaquants. Ah si. Et toi, tu vas remonter aussi. Vous allez te faire monter aussi de là comme ça. Voilà. Ah, y a pas le choix là. Faut tout donner, les gars. Oui, je suis mécontent des changements. Il reste 10 minutes à jouer. On a un total offensif là. Allez. Konogbia. On construit là. Ribéry qui lance Giroud. Allez, Olivier, allez, Olivier. Oui, qui bien belle passe pour la casette. Oh non! Mais bon, c'est un corner. Allez. Il y avait mieux à faire, je pense. Ribéry corner. Aïe 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 aïe. Peut-être la deuxième défaite du FC Arkham contre Lille. Là, ça ferait plaisir, hein, entre guillemets, parce que c'est Lille. Voilà, mais bon. J'ai pas envie de perdre. Match nul serait pas mal à l'extérieur. Allez, on a récupéré la balle. Benzema. Benzema qui lance Coman. Coman, 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 Coman. Vas-y, mais vas-y, c'est pas que Gris-Gris avance. Long centre. Ouh, la casette. 84 minutes de jeu, égalisation du FC Arkham par la casette. Sur un superbe centre de Coman. Un très long centre flottant, là, une belle flottante. Et la casette qui saute, qui on sort, il sort d'on ne sait où. Il la met. Poum! Alors, ça en vrai, c'est le but du siècle, hein, quasiment. Regardez. Super extension de la casette. Il a la tête sous la barre. Et ça fait un peu partout la 84e minute de jeu. Et les gars, on peut arracher la victoire. Ah non, il fallait la récupérer la balle là. Le mec, il a traversé le joueur, mais il récupère pas la balle. Oui. D'accord. Ça sent bien. Attention, attention. Bien joué, belle récupération. Allez, Giroud. Giroud qui lance Benzema qui va lancer la casette là. Oui, la casette, elle était rapide, la casette. Alexandre. Il y a faute, monsieur, carton rouge, putain, enculé! Non, sérieux! Mec, il m'agrippe, quoi! Mais n'importe quoi, là! Allez, on récupère la balle, c'est pas grave, allez! Non, on la repère. Sur le contre, là, avec Nangis, dans l'axe, tout seul, Beaumont. Balmont, Beaumont, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, David. Rayo Mavuba qui crucifie le FC Arkham 2 buts 1 à la 80e minute. Et tout ça est parti d'une faute non sifflée. On peut la revoir la faute d'ailleurs. Si je m'y pose. Ah bah oui. Quoi, mais on s'en fout? Non! Moi, je m'en fous pas. Quoi, mais on s'en fout, on a dit! Mais non, on s'en fout pas. Si on s'en fout. Merde. Bah oui, ils viennent voir l'arbitre hein, parce qu'ils se disent monsieur l'arbitre, voilà quoi. Monsieur l'arbitre, il y avait faute hein, tout à l'heure. Putain, plus je crois qu'il est hors jeu là. Il est hors jeu! Peut-être pas. Le mec va dehors jeu partout. Okay. Bien joué. 2 buts 1 pour Lille. Et bah ouais. Deuxième défaite pour le FC Arkham cette saison. Dommage. Hein. Dommage, mais c'est comme ça, écoutez. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Lille sur le FC Arkham, 2-1. Voilà, manquer de réussite, on va pas les engueuler à chaque fois qu'ils perdent non plus, hein. Ça sera un peu con. Tu m'as dit que j'étais un petit peu trop agressif avec mes joueurs. Bon, plus qu'un petit point d'avance sur West Ham, du coup. 15e journée du championnat. Prochain match, ce sera contre le Beşiktaş le 12 novembre. Le décembre, excusez-moi. On approche de Noël.
Eh, peut-être un match d'ailleurs à Noël. Parce que 12, 10, ah, 10, ah, peut-être 19. Les résultats, les voici, les voilous. Et puis nous, bah, comme je vous l'ai dit, tiens, Marseille qui perd 2 buts 1 face à Kiev. Bayern qui perd contre Séville 2-0. Barça qui gagne contre Liverpool 2-1. Et enfin, l'AS Roma qui bat le Zénith. Du coup, toutes mes équipes ont perdu. Hein, parce que moi, c'est. Le Zénith a perdu, le Liverpool a perdu, le Bayern a perdu, Marseille a perdu. Mes équipes que je suis ont perdu. C'est génial. Allez, à tout de suite pour la suite. Donc, le match contre Beşiktaş. FC Arkham Beşiktaş. Beşiktaş qui est cinquième actuellement. Sélection d'équipe. On va faire tourner un petit peu tout ça. J'ai fait des promesses de jeu, donc Hatem Ben Arfa, lui, je lui ai promis qu'il pourrait jouer, donc il va jouer. Kabela aussi, bah, il va être là, voilà. Allez. Allez, on va y aller comme ça. Je tiens mes promesses, je leur ai dit qu'ils joueraient le prochain match, et bien ils jouent le prochain match. C'est comme ça chez nous. Le FC Arkham est toujours leader, un petit point d'avance seulement, hein. Mais bon. Kamazanama n'a pas été retenu pour aujourd'hui, quand même la raison, qu'est-ce que ça peut te foutre? Il a eu besoin de souffler un peu, rien de plus, tout à fait, voilà, c'est exactement ça, il souffle, il souffle. Laissez-le souffler. Allez, c'est parti! FC Arkham, Beşiktaş, 16e journée de la du groupe 3. Enfin, 4ème division groupe A. Touche pour le Beşiktaş, attention. Bien joué, belle récupération. Bien lancé maintenant Giroud. Giroud qui lance Mathieu Valbuena. Ouh, Mathieu Valbuena qui passe. Allez, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Et 0. Mathieu Valbuena à la première minute de jeu, 1 minute 5 de jeu, 1-0 pour le FC Arkham face au Beşiktaş. Superbe ouverture hein, de Giroud. Alors le défenseur l'a fait un petit peu n'importe quoi, mais Valbuena très rapide, on le sait. Hein, bah, voilà. Le petit Mathieu. Et là, il va sortir du gardien et de la ligne. Entrée de surface de réparation, le gardien ne peut rien faire. 1 but à 0 pour le FC Arkham. Coup franc, Ribéry, Ribéry, Valbuena. Kabela, Kabela pour Jallet, le centre, là-haut, 2-0, 2 minutes 40 de jeu, Giroud, 2 buts à 0, oula, Jallet, une nouvelle fois, passeur décisif, hein, décidément, beaucoup de ballons passent par Jallet, et encore une fois, là, le centre qui traverse toute la surface, c'est Giroud qui vient placer son pied. Poum gauche. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Non, pour le FC Arkham, quand même, c'est mieux. On domine, on domine. Et on récupère. Non, on récupère pas la balle. Attention, contre. Non, c'est bon, on est revenu. Gomez. Ok. Attention, Gomez qui est là. Oh, attention, là, il est tout seul. Ouh, bien joué. Super barré de Ruffier. La tête. Oula, bien dégagé. C'est bon, peut-être le contre. Non, il n'y a personne devant. Ah, si, si, bah, il y a Giroud qui récupère la balle. Dans l'axe, Giroud. Dans l'axe, Giroud. Dans l'axe. Voilà. Il y a un super contre à jouer là, dans l'axe. Allez, Ribéry, dans l'axe. Trop personnel, Ribéry, dans l'axe. Il y avait quelque chose à faire là. Allez, match qui avance un tout petit peu, pas beaucoup, mais 9 minutes, voilà. Non, même pas. Ouais, il se passe beaucoup de choses dans ce match. Hein. Vous savez que la durée de la vidéo dépend de la durée des matchs, et la durée des matchs dépend de s'il se passe beaucoup de choses ou pas. Un petit peu de cam, voilà, on arrive à la 20e minute. Ballon pour le Beşiktaş. Ouais, sur lui là. Il décale sur la droite.
Bien joué, bien défendu. Peut-être Giroud en contre. Dans l'axe. Oh putain, mais il va. Ah, Samuel l'a vu. Il a vu Mathieu. Mathieu, oula, Mathieu. Ouh, petit filet. Dommage. Dégagement du gardien du Beşiktaş. C'est récupéré par nous. C'est bien, ça sort proprement là. Parfait, Valbona pour Giroud. Giroud qui va accélérer. Non, dommage, bien pris. Oula, le gardien fait foufou. Le gardien fait foufou, il sort. Pour un dégagement dégueulasse. Allez, on récupère la balle. Avec maintenant Ben Arfa. Ben Arfa pour Giroud. Giroud, 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 Giroud. Que va-t-il faire? Bien, bien, Valbona. Oh, c'est but ça. Ah, bah oui, 3-0. 31 minutes de jeu, 3-0, 5e but pour Mathieu Valbuena dans ce championnat, cette saison. C'est super bien décalé. Bon, la passe, j'avais belle. Il y avait qui Valbuena et Cabella. Valbuena la première, mais comment il se place bien. Hop, petit crochet là. Il va recrocheter encore une fois et boum. 3-0. Ah bah putain, ça fait plaisir là, de commencer comme ça. Ça fait du bien. Ribéry, Ribéry, Giroud. Giroud bien joué pour Ribéry. Ouh, belle arrêt du gardien. On domine là chez nous, on leur met la pression. 3-0. Bientôt la mi-temps. Valbona. Valbona pour Giroud. Giroud pour Cabella. Cabella pour Ben Arfa. Ben Arfa, Ben Arfa. Dans le Ben Arfa, il va tirer. Ouh, bien joué là. Dommage, bel arrêt du gardien. Allez, on va arriver à la mi-temps. 3-0 pour le FC Arkham face au Beşiktaş. Ça fait plaisir. Bon, bah là, j'étais avec assurance, les gars. Je suis très content de. Oui, bah oui, on continue comme ça, les gars. Je ne peux que vous féliciter à hein, 3-0. Et on va jouer en contre. Hop, voilà. Nous jouerons en contre. Mes joueurs sont en pleine forme pour l'instant. Ouais, ça peut aller. Là, je pense qu'il y aura des espaces. Hein, donc, les contres. Alors, c'est pas comme en vrai. Hein. C'est moins visible qu'en vrai. L'espace se crée moins. Allez, on arrive à l'heure de jeu. 74. Ouais, on va aller, on va changer Mathieu Valbuena qui a fait un super match. Hein. Mais on va le sortir, on va faire rentrer. Pardon. Schneiderling. Franck Ribéry aussi qui doit sortir. Sortira un peu plus tard, Ribéry. 71e minute de jeu, reste 20 minutes. Toujours 3-0 pour le FC Arkham face au Beşiktaş. Ah bah oui, mais là, le gars, il. Bah oui, le Giroud, il est bien joué, dommage. Je pense qu'il y avait faute quand même, mais bon. Il donne carrément un coup. C'est pas grave, ça donne un corner pour le FC Arkham. Enfin, c'est pas grave, si, mais bon. Ribéry. Ah, belle sortie là des défenseurs. Ben, c'est pas fini, Schneiderlin. Qui renverse totalement pour Ribéry. Ribéry qui va centrer. D'accord, mais non, il s'entrera pas. Allez, Ribéry qui va sortir, on va faire rentrer Lacazette. Prochain changement, ce sera Cabella. Cabella ou Ben Arfa qui sortiront. Ah, peut-être pas, on verra. Corner. Pour le Beşiktaş. Oh, putain, le ballon qui est passé devant la cage. C'est pas fini, si, c'est fini. Non, on va faire sortir la Sanadira, non, on va faire sortir. Ouais, Christophe Jallet avec un carton, on va faire entrer Zuma. Voilà. Pas prendre de risque dans cette fin de match. Corner pour le FC Arkham. Allez, oui, ouh là là, j'ai eu. Ouais, ben, voilà. La Sanadira qui a failli sortir d'ailleurs là, et ben non. 83e minute de jeu, 4-0 pour le FC Arkham face au Beşiktaş. Yes!
Ah, puis bon, là, voilà, ça fait plaisir. Hein. 4-0, le goal à Vera, pour tout, 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 ça fait plaisir. Hein. Regardez la balle, la Sandera. Poum! Ouais, je crois que quelqu'un avait dévié, mais non. 4-0. Juste avant la fin de match. Les arrêts de jeu. Sunderland, la casette pour Kabea, Kabea pour la Sanadera. Oui, l'armée. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Dommage. Il a pu tenter sa chance là. Altruiste, le monsieur, altruiste. Ou alors il a raté sa tête. C'est possible, monsieur. Voilà, score final 4 buts à 0 pour le FC Arkham. Si, je suis très content, les gars, bien joué. Toujours un point d'avance sur West Ham qui a gagné aussi. Malaga a un match en retard. Donc, Malaga. Non, pourquoi maintenant que je rencontre comme Cornu? Non, non, personne n'a match en retard. J'ai dit de la merde. Bon, bah, ça fait plaisir, ça, une petite victoire comme ça, là. Prochain match le 19, donc la semaine prochaine. Il n'y a pas de match mercredi pour le coup. Ce sera donc contre Cagliari. Donc là, non, je sais pas ce qui se passe. Voilà, merci. Lille, Café Lille, qu'ont fait les Lillois? Je ne les vois pas, mais ils doivent jouer demain. Ou ils ont joué hier, j'ai pas fait gaffe. Voilà, écoutez, bah, prochain match donc contre Cagliari, je vous dis à tout de suite. À tout de suite, tout simplement. Ah, allez. Cagliari face au FC Arkham. Et c'est quand même donc leader face à Cagliari, 16e, 18e, excusez-moi. Autrement dit, ils sont en grande difficulté. On va faire carrément tourner l'équipe là pour ce match. On va remanier totalement l'équipe. Poum, voilà. Et je fais des promesses à des joueurs. Oui, toi non. Oui, toi, la Kabela, bah Kabela, tu vas jouer un petit peu. Ouais. Allez. Les gars, je leur fais des promesses, voilà. À noter que nous sommes donc là le 19 décembre, à partir de janvier, Platini, Cantona et Zidane intégreront l'équipe première pour la deuxième partie de saison. Pas deuxième partie pour 2016, quoi. Voilà, mes petites légendes françaises seront présentes avec moi pour à partir de janvier. Voilà. Et quitteront la réserve. Allez, c'est parti, on valide cette équipe. Oui. Non. Non, pourquoi je parle de Carasso, mais j'ai pas Carasso. Bah si, j'ai Carasso. Je te mets, moi. Carasso va jouer, bah oui, il a quand même pas beaucoup joué, Carasso. Vous voyez que tous mes joueurs tournent, hein. Franchement, ils ont tous fait au moins 5 matchs et tout ça, donc franchement, je suis très très satisfait à ce niveau-là. J'arrive bien à faire tourner mon effectif, à ce que tout le monde soit plus ou moins satisfait dans mon équipe. Enfin voilà, allez sur ce, c'est parti, on avance. Oui, je valide. Carasso, je compte sur toi par contre, hein. Je te fais confiance sur ce match contre Cagliari, 18e, je suis bien quand même, attention. On a du mal des fois contre les petites équipes, hein. On voit que on se rappelle de Lille, on se rappelle. Voilà. Allez, on est parti. Les consignes, elles sont faites. Je vais laisser eux, je vais laisser. Non, moi je vais laisser Bail leur parler. Voilà. Et Carasso va lui parler aussi quand même avec calme. Hein. Je crois en vous. Voilà. Il n'en a rien à foutre, mais je crois en lui. Allez, c'est parti donc. Avant le match. Griezmann, Ben Arfa pour Schneiderlin. Schneiderlin sur le côté pour Ribéry. Clichy plutôt, excusez-moi. Clichy va peut-être centrer. Ou pas, oui, il centre, Schneiderlin à la tête et l'arrêt du gardien. Cagliari, joue en bleu, nous jouons en blanc. Attention, coup franc pour Cagliari, attention. Oh putain, le poteau. On se dégage, peut-être le contre se prend la balle. Non. Oh putain, la faute là, oh. Calme-toi, Cipitelli. Allez, Clichy. Clichy pour Schneiderlin, pour Clichy. Ben Arfa. Qui se fait prendre la balle, Hatem.
On va la récupérer sur la tête, voilà. Non. Ah, dommage, attention au contre, là. Il est parti seul dans l'axe. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien joué, Griezmann. Excellent. Très belle récupération. Ça, c'est de la merde, par contre. Mais bon. Et on reprend la tête, encore une fois. Griezmann, Schneiderlin. Schneiderlin pour Ben Arfa. Il la met sur le côté pour Griezmann. Bien joué. Le centre de Griezmann. Ouh, tout le monde a loupé la balle, sauf Martial. Quatrième but de la saison pour Martial. Et ça fait 1-0 pour le FC Arkham après 4 minutes de jeu seulement. Eh oui, on avait tout en continu là, depuis tout à l'heure quasiment. On revoit ça à Griezmann, le centre comme d'habitude, hein, tendu dans la surface. Le défenseur, ils sont même deux, ils cafouillent, mais Martial est là. Tel un filou, tel un renard des surfaces. Tel un Rudy Voleur, tel un Jean-Pierre Papin. Et il marque ce but. Voilà, 10 minutes de jeu maintenant. Bon, ben 1-0, c'est cool. Carton jaune pour Lassana Diarra encore, j'ai envie de dire. Hein, il se prend des cartons régulièrement, Lassana. Ça va pas sortir. Il va l'avoir. Il repasse derrière. Dans l'axe, attention. J'aime pas trop ça. Là, il est tout seul à droite. Oh putain, le poteau encore. Oh là 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 là. On a eu chaud encore une fois. Le corner. C'est dégagé par défense. C'est peut-être le contre. Non, il va passer la balle. Ça sort ça. Ah, même pas. Waouh, super contrôle. Fond de ses contrôles dans FM. Jallet qui lance Ben Arfa. Ben Arfa. Non, ok. D'accord. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. La balle est pour Cagliari. Allez, peut-être le contre avec Atem. Dans l'axe, la pote plus rapide. Oula, le raté, Martial. Martial, Martial, Martial. Et ben, oh putain, ce qu'il rate. Oh, j'allais dire, c'est le but. Mais non, ce n'est pas le but. Ah là là, Martial, Martial. T'as raté un truc là, assez. Hein. Enfin bref. Allez, Carasso qui dégage. Mauvais dégagement de Carasso. Tu ne marques pas des points, Carasso. Tu marques. Oui, aussi tu en marques, mais négatif. Chaque fois que tu touches la balle, on entend le public qui scande. Ça, c'est bien joué. Enfin, un petit peu profond, mais c'est bien joué quand même. C'est bon, on est là, on est présent. Allez, faut se dégager là. Ah non! Oh putain, oh, super arrêt de Carasso. Magnifique arrêt. Là, tu marques des points, mon cher Stéphane. Là, tu en marques. Cédric, pourquoi Stéphane? Je sais pas. Super barré en tout cas. Allez, il pousse là, les joueurs de Cagliari pour l'instant. Ceux qui ont la possession de balle, ceux qui ont les occasions. Ça se dégage, mais ça revient. Attention, j'aime pas trop là, ça pousse, ça pousse. Oh putain, la chance, bordel de merde, but de merde. Il a fait un super arrêt, hein. Il a fait un super arrêt, Carasso, mais. Ah là 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 là. Et le mec, il la reprend comme une merde. Regardez-moi cet arrêt là. Sublime arrêt. Sort transversal. Et là, Carasso qui bug et. Mais qui suit, il marque un but partout à la 42e minute du jeu. Et on tombe à la deuxième place, attention. Et un carton jaune. Ouais, pas super là. On va être véhément. On va être agressif. Là, il faut les rebooster un peu, les gars, là. On va passer en fluide. Le fluide glacial. Nous sommes en hiver. Bref. Allez, ballon là pour Ben Arfa. Ben Arfa pour Cabella. Cabella qui change totalement pour Clichy. C'est bien joué.
On a un petit tir de Clichy, mais ça va être dangereux au final. Il tente sa chance, Clichy, c'est pas mal. Peut-être mieux à faire, mais il a tenté sa chance, écoutez, on peut pas lui en vouloir. Un but partout, nous arrivons bientôt à l'heure de jeu. Ben Arfa va sortir à la place de Dimitri Payet. Cagliari en plus de la balle dans leur camp. Joue le temps. Bon. Vous voyez, si on devait regarder les matchs en temps réel tout le temps, 1 h 30 de match. On l'a là. Oui, bien joué, Gaël, bien joué. Et le compte peut-être là avec Schneiderlin. Schneiderlin pour Ben Arfa. Belle passe de Ben Arfa pour Martial, 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 allez, allez, allez! Oh non, Martial, ça fait deux trucs que tu rates là, bordel! Martial! Pause! Consigne d'équipe, en étant agressif. Montrez que vous avez du caractère, non, rien à foutre, les gars. Et puis Martial, toi, par contre. Concentre-toi, jeune homme. Bon, c'est très fluide. Allez, il reste 20 minutes. On la récupère, la balle, on la récupère. Bien joué, Schneiderlin. Derrière pour Sako. Sako pour Lasanadera. Clichy. Schneiderlin. Martial, Martial, non, Martial, tu vas dégager, Martial, tu fais que de la merde. Martial, je suis très 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 déçu de toi là. On va faire entrer Karim Benzema. Ouais, Martial, match de merde, hein. Totalement dégueulasse son match. Mais quoi, mais il a marqué, oui, mais bon. Il a marqué, mais il a raté deux occasions, il fait des passes de merde, voilà, il sort. Oh putain, oh là là, c'était dangereux ça. Oh là là, oh Clichy, bien joué. Bien joué, Gaël. Allez, Griezmann. Payet qui va lancer Martial. Allez, Martial, allez, 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 allez. Ouh, 2 buts 1. 71e minute de jeu, 2 buts 1 pour le FC Arkham. Oui, Martial, bon, je l'ai insulté, mais Marc, c'est bien. Fait son job en même temps. C'est un buteur, hein, je suis désolé. Mais bien joué là, Martial, là, la vitesse, le contrôle bien juste, l'amène bien. Elle est résiste au retour du géant. C'est un géant le gars là. Et là voilà, petit pas du pied tranquille. Non, même pas pas du pied. Un extérieur brossé, ça fait 2 buts 1. Et Martial qui sort. Hop, on voit que Griezmann est légèrement blessé. On fait rentrer Coman. Alors qu'il y a 5 quarts d'heure de jeu. Allez, toujours 2 buts à 1, il reste 10 minutes à jouer. C'est 18ème quand même un Cagliari, hein. On en chie là. Carton pour Jallet, le capitaine. Et à 88ème minute de jeu, ballon pour Cagliari. Ça lance devant, on la récupère celle-là. Bien joué Sako. Pour Carasso. J'ai peur. Carasso qui lance Karim Benzema, mais c'est récupéré. Coman. Payet. Oh, mauvaise passe de Dimitri Payet, mais c'est bon, Coman la récupère. Il est parti à gauche là. Ok. Coman, Payet. Oh non. Bon, il la récupère encore. Putain, on a chancé contre favorable. Clichy, Coman. Centre dégueulasse. C'est bon, on récupère de la tête. On est bon de la tête, hein, en général. Schneiderlin. Ah, mauvaise passe encore, bordel. Appliquez-vous sur les passes. Allez, j'allais, j'allais. Il fait des bons centres, j'allais. Ah non. Cabella. Cabella pour Payet qui lance Benzema, Benzema, Benzema. Ouh, belle erreur du gardien. Allez, nous rentrons bientôt dans. Nous sommes bientôt dans. Non, j'arrive plus à parler. Nous sommes bientôt dans ce dernier jeu. 3 minutes de temps additionnel. 91 minutes, coup franc de Cabella.
Kabela, la tête et le but de Zuma. 3 buts 1, deuxième but de la saison pour Zuma. Yes! Et il est content. Bon, ça fait plaisir. Beaucoup franc de Kabela. Et puis la Zuma tout seul, il se détend bien, tête croisée. Petit filet, le gardien ne peut absolument rien faire. Ça fait 3 buts 1 pour le FC Arkham. Corner. Payet. Voilà. C'est fini. 3 buts 1 sur le terrain de Cagliari. Bien. Ça fait plaisir tout ça. Bien joué les gars. Nous sommes toujours à un petit point d'avance hein, seulement hein, sur West Ham. Malaga avec un match en retard peut revenir à 36 aussi. Donc ouais, il y a quand même une lutte hein, sévère là, attention. C'est chaud, 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 bouillant là, c'est chaud. C'est pas gagné hein, pour la montée. Attention, il va falloir se battre jusqu'à la fin. Prochain match, nous resterons en Italie pour aller à la Sampdoria de Gênes. Les scores de la journée. Lille qui a encore perdu. Hein. Lille, 15e toujours. C'est triste. Alors, Marseille a gagné 3 buts 1, c'est parfait. Le Zénith a perdu. Le Bayern a gagné 2-0. Liverpool a perdu contre Arsenal. Et nous avons gagné 3 buts 1. Voilà, c'était un peu les scores de mes clubs que je suis. Sur ce, bah, je vous retrouve tout de suite pour le match contre la Sampdoria de Gênes. A tout de suite. FC Arkham contre la Sampdoria de Gênes, appelée plus communément la Sampa. 16e actuellement au classement de cette ligue. Alors, ping. Une promesse porte un benafa toujours. Et bon, on va respecter. Écoutez, on respecte, on respecte. Il n'est pas du tout à sa place, je sais. On va faire comme la dernière fois, on va faire ça comme ça. J'ai pas fait de promesse à d'autres joueurs. Si, à toi, mais t'es suspendu. Petit con. Allez, c'est parti. Contre la Samp, c'est le dernier match de cette vidéo. C'est passé assez vite pour moi, j'avoue. J'étais étonné tout à l'heure. Je me suis dit, c'est déjà le dernier match. Eh ben oui. Au cas où un agent lirait vos déclarations. Où allez-vous chercher à renforcer votre équipe? Je ne souhaite pas discuter de notre stratégie. Tout à fait. Le mercato a débuté. Beaucoup s'interrogent sur les plans de l'FC Arkham. Allez-vous recruter dans la semaine à venir? On ne fait aucun commentaire sur le transfert. Mais allez vous faire foutre, ne faire aucun commentaire. Arrêtez de me casser les couilles. C'est vrai quoi. Alors, on va laisser parler notre adjoint. Voilà, écoutez. Allez, c'est parti. FC Arkham, Samp. 18e journée de championnat, hein, si je ne m'abuse, je crois. Je crois que c'est ça. Allez les gars, on y croit. On a envie, on est motivé, on est chez nous. C'est le dernier match de l'année 2015. Allez, bah, fais gaffe, c'était quelle date, tiens. Du coup, j'aime pas souhaiter un joyeux Noël à ma mince. Ah bah alors, oui, on est le 28, je crois. Bah oui, j'ai pas souhaité joyeux Noël oh, à mon équipe. Oh merde. Oh, désolé. Mais le pire c'est que je le fais d'habitude, vous savez, j'ai une petite phrase, c'est con, hein, mais je le fais, je leur dis bonne année, je leur dis joyeux Noël, enfin bref, voilà quoi. Je leur parle mes joueurs. Allez, Kondogbia. Pour Mangala. Mangala qui fait une mauvaise passe, dommage, c'était pour Valbuena. Son bonne. Mais oui, il est hors jeu, monsieur l'arbitre là, il est hors jeu. Non. Cassano, l'ancien. Qui vaut la score pour la Sampdoria de Gênes? Mouais. Il était pas hors jeu. Peut-être pas. Je ne sais pas. Donc là, il est pas hors jeu, ok. Et là. Non, non, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Il est couvert par Mangala. Il est couvert par Mangala et qui lève le bras, mais non, Mangala. Et ça fait 1-0 pour la Sampdoria de Gênes. À domicile, après 15 minutes de jeu.
Aïe aïe aïe. Des fois, on a du mal contre les petites équipes. Hein. Attention, le centre là qui va arriver. Oh là 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 là, il est tout seul, les gars. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais putain, oh poteau. Oh putain, il la reprend. Oh là 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 là. Palambao. Premier but. 2-0 pour la Sampdoria et le jeune. Il va falloir qu'on réagisse, mais sévèrement, les gars là. Ah ouais, même pas envie de le revoir. Après 20 minutes de jeu, 2-0 seulement. Attendez, on se calme. Urgence. Oui, on passe directement en offensif, hein. On perd pas de temps. Ultra offensif même. Oui, non, mais là on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. La casette, pas de commentaires. Fais ton job, marque des buts. C'est tout ce que je te demande. 28 minutes de jeu. La Sampdoria de Gênes, là, elle est archi motivée, hein, cette fin d'année. Faites pas les cons, les gars. Bon, non, putain, mais dégagez bien. Impliquez-vous, bordel de mer. Pause, encore une fois. Oui, je sais, je fais des pauses. On n'est pas dans PC, mais je peux faire des pauses. Ouais, non, on peut pas faire de choses plus. Non, dommage. Je voulais les insulter, moi. Montre que vous avez du caractère, voilà, si vous voulez. Putain. Allez, les gars, putain! Bien joué, Athème. La relance est difficile, la relance est difficile, mais c'est bon, on l'a eu. Allez, Benzema qui lance. Ribéry. Ribéry, Ribéry, Ribéry. Passe pour Valbuena. Valbuena pour Ben Arfa. Allez, Ben Arfa, Athème, Athème, Athème. Et c'est but! 2 buts 1. On revient. Ouais, il est motivé, Ben Arfa. Il est bien, Athème. C'est bien. Il court avec la balle. Allez, 31 minutes de jeu, on revient au score à 2 buts 1. Belle action collective, et là, Athem Ben Arfa, il me fait plaisir, il est motivé, hein, on l'a vu tout à l'heure, il est revenu en défense pour chercher un ballon. Et là, il ne se rate pas, Ben Arfa, bien joué. 2 buts 1, après une demi-heure de jeu. Ah merde, la casette est baissée. Ah, ça c'est pas cool, il vient de rentrer. Ah merde. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Il vient de rentrer et bing, blessé. Mauvaise nouvelle, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, hein. Allez, ballon pour Valbuena. Valbuena. Rami. Valbuena. Qui va décaler sur la gauche, mais non, c'est pas assez précis. C'est bon, on récupère la balle avec Mangala. Mangala pour Clichy. Clichy qui fait une petite passe pour Ribéry. Ribéry, Clichy encore. Centre de Clichy, mais il n'y a personne à la retomber, dommage. Rami qui relance, bien joué, allez Karim, allez Karim, allez Karim. On retrouve le duo Benzema et Ben Arfa qu'on avait à Lyon à une époque. 35e minute de jeu et 2 buts partout entre le FC Arkham et la Sampdoria de Gênes. Super intervention d'Adil Rami là. On est revenu. Bon, c'est pas mal. Avec un Benzema, il aurait pu centrer aussi. Hein. Il y avait Giroud, mais ouais. Il marque donc on peut pas lui en vouloir. Il l'aurait raté, par contre, on l'aurait engueulé, bien sûr. Clichy, carton jaune, oh là là, 3 cartons jaunes déjà pour dans cette première mi-temps. Beaucoup de cartons même en général. Bon, qu'on a eu 4, 3 pour nous. Allez, bientôt la mi-temps. Voilà, 2 buts partout à la mi-temps. Bon, bah écoutez. On va être véhément quand même. Voilà, je les encourage. Ils n'ont absolument rien à secouer.
C'est pas grave. On reste en configuration ultra-offensive. Bien joué, Rami. Bien joué, ça. Valbona. Ah, dommage. Adil Rami. Mangala. 55e minute de jeu. Pour Clichy. Clichy qui lance Ribéry. Il récupère la balle. Bien joué. Il y a faute là, putain, monsieur l'arbitre. Attention là, le ballon pour l'équipe de la Samp. Cassano. C'est récupéré ça, on était trois sur le ballon là, c'est bon là. Rami. Oh non, Atem. Aïe aïe aïe, Atem qui perd la balle. Il est hors jeu. Ouh, bien joué, Steve. Je me dis qu'il est hors jeu, mais bon. Ah là 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 là, on n'arrive pas à se dépêtrer là pour l'instant. Bon, c'est bon. On arrive à l'heure de jeu. Toujours deux buts partout. Hein. Bah, c'est très difficile hein, contre cette équipe de la Samp. C'est encore le même arbitre. Hein. Décidément. Cet arbitre fait tous les matchs. Bon, il reste 20 minutes de jeu. On va faire rentrer Samir Nasri à la place de Atem Ben Arfa. Putain, allez les gars, il reste un gros quart d'heure à jouer. Pour l'instant, c'est la Samp qui a la balle. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, cette frappe! Magnifique frappe de Palombo! Et 3 buts à 2 maintenant pour l'équipe de la Samp. Merde, c'est pas ça que je voulais voir. Ah, terrain. Merci. Aïe 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 aïe. Une équipe qui est hyper mal classée, quoi. Allez, putain. On est chez nous en plus, bordel. C'est pas bon, ça. Putain, vous êtes 4, bordel! Mais oui, putain! Mais c'est n'importe quoi! Ils sont 4! Mais non! Mais c'est n'importe quoi! Ils sont 4 et les mecs ils passent tranquille, quoi! Et va te faire enculer! C'est bon, on va te faire foutre! Et bah, défaite contre le 15e ou non, contre le 18e du championnat ou je sais plus quoi! Super! À domicile! Magnifique, les gars! Putain, 4 buts à 2, quoi! C'est n'importe quoi! Putain, c'est moi que je peux pas vous insulter, les gars. Vous êtes agressif, vous enculé. Ce n'est pas acceptable, mais ouais, c'est ça. Je peux même pas faire un deuxième commentaire. Vas-y, allez, on va les achever tous là. Agressif. Je suis déçu. Ping, allez vous faire foutre, les gars. Putain, on peut pas perdre contre une équipe comme ça. Je suis déçu. Voilà. Et je suis déçu, voilà. Double sanction pour tout le monde. Mais va te faire foutre, toi. C'est l'équipe de West Ham qui prend la tête. Bah oui, avec 2 points d'avance. Attention, attention, attention. Nous sommes à la presque à la moitié du championnat. Il reste un match à jouer. Nous serons à la moitié. Le mec il s'énerve. Ah non, mais là, attendez, perdre contre le mec. Non, mais on perd quand même contre l'équipe qui est 16e, quoi. C'est pas, à domicile. C'est pas bon. On n'a pas le droit de faire ça. Lille qui va gagner à Braga, ça c'est bien par contre. 14e Lille. La FIFA League Cup continue bien sûr. Hein. Voici les résultats d'ailleurs. Voilà, le Bayern est qualifié contre. Voilà, vous mettez pause hein, pour voir toute l'équipe. L'équipe des Tigres. Est-ce qu'il y a des petites équipes ou pas? Non. Donc Valence, l'Atlético, le Real, le Paris Saint-Germain qualifié encore. Las Palmas, Casorchif. Le Barça, le Dortmund, Grêmio, Corinthians, la Roma, Brême, le Palmeiras, le Celta, le Bayern sont qualifiés pour le prochain tour.
50 messages. D'accord, ouais, des nouveaux contrats, ok. Et le pire, c'est que je l'ai pas fait, ça m'a rien demandé. Hein. D'accord, en fait, ils signent tous ces nouveaux contrats. Et c'est quoi ce bug? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Waouh, mais ok. Bon. Eh ben, dis donc. Ils signent tous ces nouveaux contrats. Et pourtant, leur contrat n'était pas terminé, hein, que je sache. C'est pas mes équipes ont gagné, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, bah sur ce, on va se laisser ici. On va quand même aller faire un petit tour au niveau des différents championnats. Le Bayern, le Real, l'Atlético sont leaders. Le Benfica, l'Inter et les Corinthians sont en difficulté. Grêmio, Tottenham, les Leverkusen. Et Lyon, Sao Paulo et la Fiorentina toujours avec 14 points, 7 points d'écart. Eux sont la mi-championnat d'ailleurs. Wolfsburg, Kiev, Villarreal. L'Olympique de Marseille, 13e, il remonte tout doucement, c'est bien. L'Ajax, Fluminense et Galatasaray sont en difficulté. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures au mois de février. Allez, ciao tout le monde.